Bölgesi'nden, Sankar, Monsieur le Président du CSA Giscard, Monsieur Pierre Le Président, notre ami et collègue du 1er novembre, donc a remporté plusieurs médailles, donc de réaliser un exploit donc face à des adversaires 45 secondes et 59 centièmes. Donc, Hafri, au fil de ce moment, Monsieur Pierre a voulu le donner. Voilà donc. Bonjour, Monsieur le Wali, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Secrétaire Général, notre champion Moula Sina, son père, Monsieur Sidali, l'entraîneur de Moula, notre champion d'Afrique, Monsieur le Président du CSA Giscard, Monsieur le Directeur technique de la Giscard, notre ami et collègue de la presse, donc, chère assistance, c'est pas grave. Donc, à la demande de M. Goli, après l'exploit de notre jeune coureur, M. Slimane, donc, je vais vous lire de manière très succincte une petite biographie le concernant M. Goli, si vous le permettez. C'est un jeune né le 25 février 1999 à Dera Ben Khaddad. Il a commencé sa carrière en athlétisme au sein du club. Athletic Club de Dera Ben Khaddad dans les catégories les plus jeunes, donc sous la houlette de l'entraîneur Bouassan Mohamed. Donc depuis 1999 à ce jour, il est licencié au sein du club sportif amateur jeunesse sportive de Kabylie, donc sous la direction technique de M. Hamissi Kamal et entraîné par notre entraîneur M. Sabour Ali, ex-international. Après avoir obtenu quelques performances prometteuses au niveau local et national, le sprinter de la ville de Tizouzou a confirmé son talent en allant remporter en Italie la médaille d'or sur 400 mètres et au troisième championnat méditerranéen d'athlétisme U23 avec une performance très honorable, en battant ainsi le record national détenu depuis les années 90. Cet athlète donc, qui s'entraîne au niveau du stade du 1er novembre donc, a remporté plusieurs médailles, une médaille d'argent sur 4 x 400 mètres au championnat panarabe et médaille de bronze lors des Jeux mondiaux militaires. Et il améliore sa performance en mai 2022, son record sur 800 mètres et il le porte à 1 minute 44 secondes et 19 centièmes de seconde. Donc il vient donc, entre le 8 et le 12 juin de cette année donc, de réaliser un exploit donc, face à des adversaires renommés donc, en se classant premier et en obtenant le titre de champion d'Afrique avec donc, un chrono de 1 minute 45 secondes et 59 centièmes. Donc à travers ces performances réalisées sur le plan international, donc, Slimane donc, prendra part aux Jeux méditerranéens d'or et surtout il est qualifié au championnat du monde d'athlétisme qui auront lieu aux États-Unis d'Amérique. Donc M. Loyer donc, a tenu de rendre un vibrant hommage et à honorer ce jeune athlète de la Oulaya. Donc nous signalons qu'il est rentré hier. Il est rentré hier et aujourd'hui même M. Loyer a voulu le donner. Voilà donc. Bravo et si vous voulez, je disais tout à l'heure, j'ai eu un appel ça fait presque une année de cela, du coureur Mkhloufi qui m'avait appelé sur mon téléphone. Il me l'a dit avec ces mots, allez je vous appelle concernant un jeune athlète qui est à Tizi Ouzou, Khalid Karouaïmoa, Khalamani, et c'est un futur champion du monde. Donc Inch'Allah, il sera champion du monde avec les efforts qu'il est en train de faire. Et
on dira que les autorités locales sont disponibles à la compagnie pour l'obtention de ces résultats et entreprendre une très belle carrière sportive en tant que jeune athlète, s'il vous plaît. On vous remercie. D'accord. اولا سعيد جدا باستقبال البطل تاعنا بطل تيزي وزو سي سليمان برفقه الوالد تاعو ربي يخليكو وكذلك كل الطاقم اللي سهر على تكوين هذا الشان من خلال عرض مسار حافل بانجازات وفي نفس الوقت شيء ملفت الانتباه انه مسار هذا الشاب هذا ما كانش فيه انقطاع، كانت فيه استمراريه وكل استمراريه هذه كل مرحله فيها نتائج اللي لاحظت انها في تطور. اذا مره اخرى اسعد انني كان لي الشرف وكان لي الحظ انني بعد العوده مباشره للاعداء تاعنا كانت لي الفرصه هذه اللي باه نقولوا كلمه طيبه فيها اولا وناكدوا له مره اخرى ليه ولكل اعدائه وكل الشباب تاعنا الرياضي والثقافي اللي اقحم عالم الرياضه وغيرها ان السلطات المحليه تسعى جاهده ان هذا النخبة لازم أن تكون فيها رعاية ورعاية خاصة ويكون فيه تشجيع. بالإضافة إلى ذلك اليوم كذلك فرصة أننا نستقبل ليس البطل الإفريقي فقط ولكن نستقبل الشاب اللي راح يمثل ولاية تيزي وزو ويمثل كذلك الجزائر ككل في ألعاب البحر غير المتوسط. غير مستبعد وليس ببعيد أننا وبكل تفاؤل وتمنية خالصة أن الشاب تاعنا يزيد يتألق بالمسار تاعو وفي الآفاق بطولة دولية اللي تسناه نتمنى له إن شاء الله التوفيق ومرة أخرى تشكراتي أولا ليه على المجهود المبذول بدون ما ننسى التعطير الأبوي تاع الأب تاعو وكذلك التعطير التقني لكل المرافقين والمدرب وكل الأطراف اللي من شاب في تعب وخطر اليوم ليس الشاب فقط ولكن الشاب البطل اللي نتمنى له التوفيق ان شاء الله وشكرا. برافو بور لا ميدال دور فوز افي اونوري كوبر ناسيونال فوز افي اونوري اون بارتيكولي نوتا ريجيون دولي تيزي وزو جو تي اوسي ا ريمرسي سي بارون كي اون اكومباني دو لون دو باركور اي دو ستاف تيكنيك بيان سور. La FIBU Tizi Ouzo est prête à vous accompagner et je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de courage, de chanter à d'autres succès à la bien chanter. Et nous sommes prêts à vous accompagner sur tous les fronts. Prête à ma soeur. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan, shkour Awali Wili Tizi Ouzo ala l'estimafa. Alhamdulillah, ya Rabbi, Rabbi Oufahani, Albert, championnat d'Afrique. إيل موريس حصلت على المرتبة الأولى اللي طلعت على بلادي وشرفت بلادي وإن شاء الله نكملوها إن شاء الله ونكملوها على طريقة إن شاء الله ونجي نديجو ميدين إن شاء الله شامبيون دي موند إن شاء الله نزيدو نشرفو بلادنا إن شاء الله وبارك الله فيكم. Tout d'abord, je tiens à remercier M. Louali pour la réception qui a été organisée en l'honneur de notre champion d'Afrique qui a honoré l'Algérie en général et la Kabylie en particulier. Bien sûr, nous, en tant que président du CSA, nous allons œuvrer pour qu'il y ait d'autres champions, Inch'Allah. Moulay Slimane sera un exemple pour tous ces jeunes. Maintenant, nous avons un grand champion. Il faut qu'on lui donne tous les moyens nécessaires pour qu'il représente dignement l'Algérie au niveau des compétitions internationales et représenter la région. Inch'Allah, il est à la hauteur de la dimension que M. Moulay Slimane
XFE, ou Armée au Sport, Inch'Allah, il faut que tous les athlètes algériens. Merci. C'est avec une immense joie que nous sommes ici parmi vous. Nous remercions énormément M. Wali. M. Wali, de tout temps, vous nous avez accompagnés. Commençons par le commencement. La fille d'Eduardo, sa donne Nassia, c'est vous, aujourd'hui, c'est vous qui l'a poussé à devenir ce qu'elle est. Elle est le numéro 1 à l'échelle nationale dans les épreuves de cross-country. Alors qu'avant sa participation au championnat arabe, il était passé à 4e algérien. Donc, votre apport l'a propulsé à devenir number one. Pour ce qui est de l'athlète Mouna Slimane, c'est un véritable talent. C'est un véritable talent. Nous l'avons suivi dès son jeune âge. Au passage, je remercie l'école de Drakhada. Monsieur Wali, c'est la première fois dans l'histoire qu'un athlète de la Moula et Tizimzo soit réalisé une performance par le passé. La majorité de nos athlètes, à l'image de Baba Sy, Berbassem, nous sommes tous formés à Tizimzo. Nous avons quitté Tizimzo, faute de moyens à l'époque, donc nous sommes partis à Alger. Donc il y a des athlètes de la Moula et Tizimzo qui ont réalisé de très grandes performances, mais avec des clubs algériens, faute de moyens à Tizimzo. C'est la première fois dans l'histoire que ça se réalise chez nous, ici à Tizimzo. Donc il y a un monsieur Wali que nous allons lui offrir. Nous avons lui offert une situation confortable pour le proposer à devenir l'idéal. On aura un championnat du monde de Tizimzo, Inch'Allah. Et M. Wali, l'école de Drakhada, le premier finaliste olympique, il est de Drakhada. C'est pas passé. Donc, la pépinière existe à Drakhada. Je vous remercie, M. Wali. الله راح يزيد تشجع بعد باش يمشي في المنوال هذا ويزيد يحقق نتائج على اعلى مستوى يختلكمش باللي اليوم العداء اصبح عداء عالم وكل واحد اصبح يعمل يعني حسابات باش يتغلبوا عليه وحتى الصحافه العالميه والصحافه الدوليه راهي تتكلم عليه في جميع البطول حنا نطلب من يعني لانه هو ابن المنطقه وابن الجزائر نطلب يعني من يعني السلطات الولائيه على راس سياده الوالي ومجلس الشعبي الولائي ويعني كل المسؤولين على مستوى الولايه باش يدعموا العداء هذا وراح كما يقولوا راح يكون فرد خير في المستقبل للمنطقه هذه ونقدر نقول انه منطقه تيزي وزو يعني عندها خزان تاع العدائين لو يكون اهتمام ويكون يعني تكون تشجيع عن طريق توفير على الاقل ابسط الامور هي يعني الامكانيات العاديه يعني كاعاده الملعب يعني ملعب تيزي وزو الان راهو المضمار راهو يعني في طريقه يعني في وضعيه سيئه وهذا يعني ابسط شيء يقدر العداء يمارس على الاقل هذه الرياضه وألعب القوة هي كانت دائما في المرتبة الأولى حتى في المنطقة مع بعض الرياضات أمثال كرة اليد أمثال يعني رياضات أخرى اللي ساهمت في تطوير الرياضة في المنطقة ولهذا يعني نشكركم وإن شاء الله في المستقبل راح يكون مفاجآت إن شاء الله وراح يزيد يشرف هذه المنطقة ويشرف الجزائر ويرفع الراية الوطنية على مستويات إن شاء الله وبارك الله فيكم مرة أخرى.